Yo les petits potes, c'est Salta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les samedis, pour un nouvel épisode de Ark Survival. Donc là, on continue l'aventure hardcore. On en est à l'épisode 8, les gars. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben là, je viens de me connecter, regardez, je suis dégoûté, on s'est fait raid, les gars. Donc je suis pas encore descendu, je suis pas allé voir. Mais en tout cas, il m'a tué, j'avais mis un loup. Alors je voulais pas montrer, je l'avais fait en off, j'avais tame un loup level 244 et je l'avais mis dans la petite base. Et devant, dans la cour de devant, j'avais mis du coup un raptor et un scorpion. Et là, ben, mon loup il s'est fait tuer, il m'a pété des murs, des plafonds, tout ça je crois. Le raptor il est mort. Il m'a détruit les feux de camp, le lit, le mortier pilon, le fabricateur. Il m'a tout cassé en fait. Il m'a tout pété. Il m'a tout pété. Je crois qu'il a rasé la base en bas. Et je sais pas s'il est rentré dans l'enclos. On va voir ça de suite les gars. Allez go! Bon, il est pas rentré dans l'enclos. Est-ce qu'il a essayé de casser la porte? Non, il a même pas essayé apparemment. Du coup, eh bien impeccable, hein, vous voyez, il s'est concentré là-dessus. C'est ça que je voulais de base. Donc là-haut, j'avais mis des plantix. Il les a détruites aussi. Vous, vous l'aviez pas vu, mais j'avais mis 3 plantix là-haut. Et donc voilà, hein. Ben, il a tout pété. Mais bon, regardez, il a laissé tout ce qui reste en métal, c'est l'essentiel. Hein. 9000, 9000, 7000, il s'est pas trop attardé sur le métal. Bon, il faut quand même le réparer. Hein. Ok, mais il faut refabriquer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les gars, je vais faire tout ça là en off et je vous reprends dès que c'est fait. Bon voilà les gars, on est pas mal. J'ai tout refait en métal là. Alors là c'est encore mieux que la dernière fois. La dernière fois, ben, le plafond il était en pierre et les murs là ils étaient en pierre. Ils me les avaient pétés. Mais j'ai tout refait. J'ai tout remis à l'intérieur. Là il y a masse de métal encore qui est en train de cuire. Là c'est du charbon parce que là j'ai fait masse de poudre étincelle et pour faire après de la poudre à canon. Parce qu'il faudrait faire des grenades pour aller... Pour aller se venger là. Là il faut aller péter des bases là. Et j'ai refait un peu de narco mais j'en ai plein en haut. Et là voilà, du bois, du branchage, quelques conneries. Pétrole, cristal. Là j'ai tout vidé, j'ai tout monté en haut, les perles et tout ça. Que j'avais ramassé là. Et puis voilà quoi. Du coup là le mec s'il revient demain ou quoi, il va être dégoûté, il va arriver... Il va voir que j'ai tout refait, il va être démotivé. Mais après ça sert à rien qu'il re-raid de suite parce que s'il réfléchit, il faut attendre un peu pour que le gars il se remette un peu bien. Et là tu le raid. Bon ben les gars, on va aller se tame une bonne bestiole là. J'aimerais bien aller me tame un Rex ou une connerie comme ça. J'ai préparé tout ce qu'il fallait pour faire la cage à tame. Du coup je vais vous montrer ça. J'ai 200 narcos avec moi. Donc voilà quoi. Et j'ai 100 flèches tranquillisantes. Donc j'ai de quoi tame un Rex level 150, il n'y a pas de problème. Le seul problème c'est qu'il faut pas que je le tame à la viande normale. Parce que déjà ça dure en x1 4h20. C'est énorme 4h20. Et ça dure 1h30 je crois avec de la prime. Et il en faut 40. Du coup si j'arrive à faire tomber un gros Rex, il va falloir essayer de trouver de la prime. Allez, je vous reprends quand on est au lieu des Rex. Ben c'est ici les gars, mais normalement, là c'est pas normal. Hein. Normalement, il y a beaucoup plus de danger là. Là c'est vide, il n'y a rien. D'habitude, il y a de tout là. Il y a des smilodons, il y a des Rex, il y a des carnaux. L'autre jour, c'est où j'ai tué mon carnaux alpha. Enfin normalement, c'est le bordel là. Oh! Il s'est pas réveillé le truc là. J'ai flippé, ça c'est un truc méchant. J'étais tellement prêt. Regardez ça. Il est level 145, c'est un mégalosaure. C'est une bête ça. Ça c'est une bête de guerre les gars.
Surtout la nuit. Ah ouais, j'aimerais bien essayer de tame. Mais pareil, ça doit être galon ça. Bon les gars, je viens de regarder, c'est à peu près le même temps que le Rex. Il faut 44 prime. Et du coup, je peux essayer de me l'amener par là. Je fais la cage à tame là. On tente les gars. Par contre, je suis dégoûté. Si j'y arrive pas, je la fais pour rien. Yeah. Yeah. Là, c'est bon, ça devrait aller. Le troisième, on s'en fout. Bon, alors toi. Faudrait que tu te réveilles et que tu me suives, mon petit. J'ai trop peur d'aller le taper. Allez, viens, viens. Allez, viens le gros. J'ai Gaper. Oh, il va tout doucement comme ça. C'est passé le jour. Bon, ben nickel, ça a été gay facile. Il n'y avait pas plus simple. J'ai eu un coup de pression, les gars, j'ai le cœur qui bat à 2 km/h. Là. Da-da-da-da-da-da. Allez, j'espère qu'il casse pas la pierre, lui, normalement, non. Bon, ben à la base, la cage, elle était destinée pour un Rex. Mais bon, ça va être pour un mégalosaure, hein. Ah, il est tombé. En fait, ça a pas pris beaucoup de balles. Bon, il est tombé. Bon, là, dans 1h30, je peux lui mettre 44 prime. Et il se tamera instantanément. Et j'ai besoin de 0 narco. Par contre, si j'utilise de la viande normale, il m'en faut 126, je crois, une connerie comme ça. Et 200 et quelques narco. Et 4 heures. Donc on va éviter de le faire à la viande normale, on va essayer d'avoir de la prime. Du coup je me posais la question, est-ce que les brontos ça donne de la prime? Je crois que oui, mais je sais pas combien, et on va aller regarder ça de suite les gars. Oh ben j'ai même pas eu de viande supérieure. Donc je crois que c'est pas le meilleur moyen pour avoir de la viande supérieure. Autrement je suis en train de penser, les pingouins ça en donne pas. Je crois que les pingouins ça donne de la prime hein. Eh non, les pingouins ça me donne pas de prime hein. Là il y a un mammouth là-bas. On va tester un mammouth. Ah j'ai une prime avec le mammouth. Et une prime elle me dure combien de temps du coup? Elle me dure 20 minutes. Ah ouais c'est chaud. Je vais devoir autrement le nourrir à la viande normale et petit à petit lui apporter... des viandes supérieures. Un mouton, je sais pas combien ça donne de viande. Parce que des moutons, il y en a vers là-bas. Je vais aller voir si je trouve un mouton. Pourquoi je vois plus la barre d'inconscience, les gars? Il s'est réveillé? Mais attendez, c'est pas possible que ce soit réveillé. Ça fait 10 minutes que je l'ai fait tomber. Et ça clignote, c'est-à-dire qu'il s'est pas réveillé. C'est quoi ce délire? On verra plus tard. Normalement, j'ai 1h30. Tranquille, c'est sûr, avec 0 narco. Ou alors Dododex, maintenant, il dit de la merde, mais il est réglé en foin. Hein. Ah, là, il y a un mouton, les gars. Bon, bah, on va le tuer. Il y en a deux, même. Trois, même. Il y en a plein. Ouais, il y en a gavé ici. C'est le spawn des moutons. On va en tuer un pour voir. Ouh, il donne beaucoup de viande. Ben voilà, il faut venir là, hein. Ok, ben, il faudra venir là. Et ça dure combien de temps? 37 minutes. C'est bien ça, c'est bien ça. Ok, et ben voilà, et ben on va le tame qu'à la viande de mouton. Et il nous en faut combien? 34 viandes de mouton. Ça dure 1h15, donc là ça fait déjà un bon quart d'heure. Du coup, dans 1h, il faut que je revienne ici. Enfin, avant 1h d'ailleurs. Que je récupère la viande là et que je la ramène. Il est là. Qu'est-ce qu'il a? Ah mais il est réveillé, oui. Ah non, il est pas réveillé. Il a bougé juste. Allez, monte. Oh! Oh! Oui, il est réveillé. Oh, j'ai eu peur. J'ai failli mourir, les gars, pour une connerie. Mais pourquoi il est réveillé? Il me disait que j'en avais pour 1h30 tranquille. C'est quoi ce dodo Dex là? Ça fait 10 minutes, un quart d'heure.
J'ai même pas le temps d'aller au mouton pour lui récupérer la viande. Bon, mais du coup, on va le rendormir. On va lui mettre de la viande normale. Et puis après, on va aller au mouton. Ah oui, mais non, mais non, mais le problème, c'est pas la viande. Le problème, c'est la narco. J'ai pas assez de temps, je pense, pour aller au mouton et revenir. Ah, je suis dégoûté. Pourtant, Dododex, il dit zéro narco. Bon, je l'ai refait tomber. Je suis bien content. Je suis bien content parce que ça sert à rien, là. J'aurais... Ou alors si, j'aurais dû prendre le mouton... Ah, je suis con ! J'aurais dû prendre le mouton direct, là. Il vient juste de tomber, il est déjà monté à 32%. Mais il m'a bouffé Gaët Bjorn. Bon, 24 minutes et il reste. Ok. Voilà. Et l'inconscience... Mais pourtant, elle a pas l'air de descendre vite, hein. Mais c'est bizarre qu'il se soit réveillé. Ou alors, dès qu'il fait nuit, il se réveille. Non. Bah, dans ce cas-là, c'est pas possible. Là, la narco, il y en a pas besoin, c'est sûr. Je crois que Dododex, il dit pas des conneries, mais je pense que la nuit, il se réveille. Et ça, c'est la merde. Là, il reste 10 minutes, hein. Il faut que j'aille en chercher d'autres. Bon, allez. En espérant que je fais pas tout ça pour rien. Du coup, en tout, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12, et 12, 24, 13, 24, 48, 48 et 12, enfin, j'en ai largement assez. J'en ai largement assez. Allez, go, on y va. On rentre à la base. On lui ramène tout, tout, tout. Bon, il dort toujours. Ça, c'est un bon point. On va aller prendre tout. Hop. 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 Allez, bouffe de la prime. Par contre, j'ai peur, il est quelle heure là? Là, il est 18h les gars déjà. Moi, je sais pas à quelle heure il commence à faire nuit, mais j'ai bien peur qu'il se réveille. Hein. Oh là là, j'espère qu'il se réveille pas la nuit. Hein. Mais je crois, je vois pas pourquoi il se serait réveillé autrement. J'espère que c'est minuit, hein, que c'est pas 19h ou 20h ou je sais pas quelle heure là. Oh les gars, il s'est réveillé. Pourquoi il s'est réveillé? Je suis dégoûté. Il est quelle heure? Il est même pas 20h30. Il faut le refaire tomber ou quoi? Oh là là, je vais aller chercher vite de... Je suis dégoûté. Je sais pas pourquoi ça fait ça les gars. En plus les fléchettes, je les ai pas avec moi. Ah si, je les ai avec moi. Alors, vite la viande. J'ai que de la viande normale, du coup. Il est pas retombé, apparemment. À 0%, il est toujours à 60. Eh ouais, mais il a plus de viande, c'est ça. Putain, ok, donc là c'est reparti pour une session. C'est quoi ce dégât? C'est quoi ce timing bizarre là? C'est la première fois que j'en tame un, je crois. Parce que je me rappelle pas d'avoir fait ça. Ah ouais, si, il a redescendu un peu. Il était à 75, il est redescendu à 69. Bon, ben on reva chercher de la viande de mouton. Bon, ça devrait aller vite maintenant. Et comment ça se fait qu'il est de l'autre côté au fait, comme ça là? Comment ça se fait qu'il s'est déplacé comme ça, les gars? Il était pas là quand je suis parti. Oh, 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 oh. Il m'a tapé mon mégalosaurus, je suis dégoûté. Oh, 67%. Il était à 90%, je crois. Peut-être qu'il avait descendu un peu, mais... Allez, tombe. Voilà. Enfin, je pense qu'il l'a touché, hein. Moi, je verrai ça qu'au montage, hein, mais... Je sais pas combien il avait de pourcentage avant, d'efficacité. Ça a aillé, il est bientôt à nous, là, dans quelques secondes. Ah là 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 là, on aura galéré, hein. Vous imaginez, il se réveille maintenant, la seconde près, là. Je serais dégoûté. Mais non, là, c'est... Bon. Ah. Sommeil. 120 sur 120, alors je sais pas ce que ça veut dire.
Allez, viens ici, on te ramène à la base et on te regarde après. Bon alors, comment on va s'organiser? Je pense que je vais sortir. Parce qu'en fait, j'ai peur de laisser le mégalosaurus. J'ai peur de le laisser là tout seul. Et qu'ils arrivent et qu'ils me tuent que le mégalosaurus. Je serais dégoûté. Du coup, le mégalosaurus, je vais le mettre là-dedans. J'espère qu'il est pas trop grand. Alors attendez, avant. 193, il est sorti. Et vous voyez, il a 8000 de vie. C'est bien, je crois. Énergie 990. Et attaque 326. Voilà, fais dodo, comme ça tu prends pas de place. Et par contre, autre option, agressif. Je sais pas si je vous l'avais dit les gars, mais j'ai tame aussi en off un bousier. Et du coup, je l'ai mis en mode promenade dans une cage, comme ça je le cherche pas partout. On a même pas besoin de l'ouvrir, on a accès direct au truc. Bon, je vais le monter. Du coup, c'est cool. Je vais remplir ce carré de culture à mort. Hein. Je vais faire une plantix là. Alors, engrais. Ah, mais j'avais dû déjà regarder, il y en a un d'utiliser engrais. Donc, je crois que j'avais déjà en off, j'avais déjà mis une graine, je crois. J'avais pas mis assez d'eau. Bon, voilà, elle est irriguée à fond. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. J'espère qu'il y aura assez d'eau pour la faire pousser jusqu'à la prochaine fois que je me reconnecte. Et puis voilà les gars, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça aura été épisode consacré au mégalosaure. En tout cas, si ça vous a plu, lâchez un petit like, un petit abonnement. Et puis on se retrouve samedi prochain pour un prochain épisode sur Ark. Allez, ciao ciao.